Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. Allez, dégagez de là! Allez, dégagez de là! Monsieur Charles Reed, quel plaisir de vous voir enfin en chair et en os. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Johannes van der Berg, à votre service. Je vous avais promis d'aller à votre rencontre dès votre arrivée. Ah, merci bien, monsieur van der Berg. Je vois que vous prenez le mot « dès » très au sérieux. Je vous en prie, appelez-moi Johannes. Mais où sont mes manières? Bienvenue dans la fière ville d'Oakmont. Hélas, elle a connu de meilleurs jours, mais jamais de plus important. Venir jusqu'à Oakmont n'a pas été une partie de plaisir. La ville ne figure sur presque aucune carte et ce pauvre bateau délabré est le seul à naviguer jusqu'ici. Comment ça se fait? Oakmont n'est pas un lieu ordinaire. Son emplacement géographique unique et l'inondation, une catastrophe naturelle récente, la rendent particulièrement difficile d'accès. Mais vous y êtes parvenu, monsieur Reed. Je suis sûr que les courants du destin vous auraient amené ici d'une manière ou d'une autre. Dites-moi plus au sujet de cette inondation. Ça a commencé il y a 6 mois. Les tempêtes ont fait rage pendant plusieurs semaines et le niveau de la mer n'a cessé de monter. À présent, la ville est coupée du continent. Je dois admettre qu'en dépit du côté peu pratique, ça me plaît beaucoup. L'ambiance, vous savez. Vous m'aviez dit que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre mon problème. Les visions empirent.
Les rêves d'une telle intensité ne sont guère rares ici, à Oakmont. Par chance, l'homme dont je vous ai parlé, Robert Throgmorton, se trouve déjà au port. Il a dédié de nombreuses heures de sa vie à l'étude de ce sujet. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il ait des problèmes plus pressants en cet instant. Comment puis-je trouver Monsieur Throgmorton ? N'ayez crainte, vous ne pouvez pas le manquer. Throgmorton est assez facile à reconnaître, dirons-nous. Pouvez-vous me parler de Monsieur Throgmorton ? Une remarquable créature. L'héritier d'une robuste lignée. Il est philanthrope, érudit et le mécène de la célèbre université d'Oakmont. C'est un homme d'une grande ambition, uniquement surpassé par son ego. Ne le faites pas attendre. Je vais avoir besoin d'un endroit où dormir pendant mon séjour ici. Vous êtes du coin. Est-ce que vous auriez des recommandations ? Soyez tranquille, votre nid est déjà tout trouvé. Une chambre est réservée à votre nom au Devil's Reef Hotel. En voici la clé. Un nom très charmant. L'habit ne fait pas le moine, Monsieur Reed. Comment occupez-vous vos journées, Monsieur Vanderberg ? J'organise un club de philosophie pour les intellectuels partageant les mêmes idées, récoltant les graines de la pensée comme les papillons de nuit tournent autour des flammes. Et c'est populaire comme domaine à Oakmont, la philosophie ? La conscience ne peut exister sans la douleur, Monsieur Reed. Quand les temps sont durs, c'est là qu'on a le plus besoin de clarté. Quel est le meilleur moyen de se déplacer dans Oakmont ? J'aimerais déposer mes affaires à l'hôtel. Les habitants du coin ont tendance à circuler à pied ou en bateau. Dans votre cas, ce sera sur les flots. Une barque vous attend en dehors du port. Un grand merci à vous, Johannes. Vous pouvez m'indiquer la direction à prendre pour aller à l'hôtel ? Prenez cette carte. J'ai indiqué l'hôtel dessus, en plus de quelques autres lieux importants. D'autres lieux ? Lesquels ? Vous êtes détective privé, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai notamment marqué le commissariat, les archives de la ville, les bureaux du journal local, là où la vérité vous attend. Cette ville est isolée, et ses mœurs sont mystérieuses. Personne ne viendra vous guider, alors c'est à vous de savoir comment trouver ce que vous cherchez. Eh bien, il me semble que c'est tout pour le moment. Merci. Grâce à vous, je m'y retrouverai un peu mieux. Non, non. Tout le plaisir était pour moi, Monsieur Reed. Non, et avant que vous partiez, comment puis-je vous contacter ? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis le genre d'homme qui trouve ce qu'il cherche. Nous nous reverrons.
Très bien, Titania. Où est ton Oberon ? Ce casque me donne la chair de poule. Quelle est cette substance, bon sang ? Ça vous plaît ici, étranger ? Eh ben, va falloir s'y habituer. Personne ne quitte Oakmont de nos jours. Pas possible d'attraper un seul maquereau depuis que ce Dinsmouth s'occupe de la pêche. Je me fiche de vos excuses insignifiantes. Personne ne quitte ce port tant qu'on n'a pas retrouvé mon fils. Fin de la discussion. Excusez-moi, vous êtes Robert Throgmorton ? Oui, mais je ne suis pas intéressé. Du balai. Je m'appelle Charles Reed. Je suis détective privé, tout juste arrivé de Boston. On m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Détective privé, vous dites ? Eh bien, peut-être qu'on peut s'aider l'un l'autre, alors. Si je peux vous le demander, qu'est-il arrivé à votre fils ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Que cherchez-vous à accomplir exactement, étranger ? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, je suis détective privé. Trouver les gens, ça me connaît. Albert faisait partie d'une expédition en mer que j'ai financée. Cet abruti-là prétend qu'il a retrouvé Albert sur le rivage, à bord d'une chaloupe. Il dit qu'il était à peine conscient, fou. Et qu'il racontait n'importe quoi dans une langue inconnue. Qu'il a même essayé de le mordre. Et vous ne le croyez pas ? De vraies foutaises. Je connais Albert. J'ai élevé un homme fort et intelligent. Un homme au-dessus du lot. Ce n'était pas lui. La disparition d'Albert est un coup monté par ceux d'Innsmouth. Je vous le dis. Je suppose que vous n'appréciez pas particulièrement ces gens d'Innsmouth dont vous parlez. Ces faces de poisson ont envahi Oakmont depuis que la police a réduit Innsmouth en cendres. Et maintenant, ces réfugiés visqueux occupent la moitié de la ville. Le port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, les Shells, ils sont partout. Ce sont donc de simples réfugiés ? Pas du tout. Ils prennent le travail des pêcheurs du coin. Ils sèment la discorde et s'en prennent à nous. La famille Throgmorton est un pilier de cette communauté. Sans parler de la criminalité qui ne fait que monter en flèche. Un véritable raz-de-marée de problèmes. Voilà ce qu'ils sont. Pardonnez-moi cette question, mais je n'ai jamais rencontré d'homme comme vous auparavant. Car aucun homme ne peut se mesurer à la lignée des Throgmorton. Un sang fier et puissant coule dans nos veines.
Mon père s'est uni à une certaine famille royale, ce qui a accordé à notre famille cette apparence sublime. J'ai cru comprendre que vous étiez celui à qui parler au sujet des visions et des accès de folie. J'essaie de voir où tout ça peut mener. Un autre étranger, un autre problème. Je sais de quoi vous parlez. Puis-je vous poser quelques questions ? Vous ne manquez pas d'air. Mon fils Albert a disparu et personne dans ce trou envahi par les faces de poisson ne bouge le petit doigt. Mais non. Parlons donc de vos rêves. Monsieur Throgmorton, laissez-moi vous aider. J'ai un don pour retrouver les gens disparus. Je trouverai Albert. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous y arriverez ? Oakmont n'est pas vraiment du genre à accueillir les étrangers à bras ouverts. Disons simplement que j'ai l'œil pour voir ce qui échappe aux autres, et puis, qu'avez-vous à y perdre ? On dirait bien que tous les coups de main sont les bienvenus. Vera, vous n'avez pas tort, étranger. Pardon, avez-vous dit Vera ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez intérêt à vous habituer au jargon d'Oakmont, étranger. Il s'agit d'un mélange fascinant. Enfin, si vous souhaitez être accepté. Vera signifie « très bien ». En l'occurrence, marché conclu. Je vois. Merci. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Albert. Troc, êtes-vous donc sourd ? Je vous ai déjà tout dit. Après l'expédition, Albert a été retrouvé sur le rivage à bord d'une chaloupe. Ce pêcheur prétend l'avoir amené à sa maison pour m'appeler ensuite. Mais quand je suis arrivé là-bas, mon fils n'était plus là. Autre chose ? De toute évidence, un malheur s'est produit dans la maison. Je vous suggère d'arrêter de vous tourner les pouces et de vous y rendre vous-même. Vous avez parlé d'une chaloupe. Est-elle encore sur place ? Oui. Allez devant la maison, puis prenez à gauche. Vous tomberez sur une plage qui longe une barrière. Elle se trouve là-bas. Où est la maison où tout ceci s'est produit ? Parquet. Je croyais que vous étiez un détective privé. Nous sommes juste en face. Le temps ici est fort agréable, monsieur Throgmorton, mais je dois commencer mon enquête. Trouvez mon fils étranger, et dépêchez-vous. Ne faites rien de stupide, étranger. Et gardez vos mains là où je peux les voir. J'ai déjà dit tout ce que je sais. Il faudrait sérieusement forcer pour bouger ce truc-là, alors pour le renverser comme ça. Voyons un peu ce que l'étranger va trouver. Bonjour. Hey, vous m'entendez ? Oh, ma tête ! Qui êtes-vous ? Vous êtes avec la police ? Je vous ai déjà tout dit. Tout va bien. Je suis Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton m'a chargé de retrouver son fils. Oh, ok. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux savoir ce qui est arrivé ici, en détail. Je me souviens pas trop. Paul Lewis et moi, on était ici. C'est notre maison. Barry était dehors. Il s'occupait de son truc. Puis il est revenu avec le fils de Throgmorton sur les épaules. Il était inconscient et respirait à peine. Barry est reparti pour appeler Monsieur Robert. Et après ? On l'a mis dans la chambre de Lewis. Il a commencé à faire des bruits d'aimants et... Parquet !
Ma tête a explosé. Ensuite, il s'est réveillé et... Après ça, je me souviens plus de rien. Juste... des rêves. Les rues submergées. Un géant endormi. Une voix qui m'appelait. Ah. Ça me dit quelque chose. Parlez-moi de vous. Moi, c'est Will. Will Hammond. Je suis pêcheur, comme les autres. Et on vit ici tous ensemble. Barry, le pauvre Paul, et celui d'Innsmouth, Lewis Flynn. On a emménagé ici après l'inondation. Je travaillais dans les chemins de fer, mais les trains ne circulent plus, alors je me suis tourné vers la pêche. C'était ça ou la famine. Où sont tous les autres gars? Celui-là au sol, c'est Paul. Que Kai soit avec lui. Barry est dehors avec Monsieur Throgmorton. Ce chansard a tout raté. J'ai aucune idée d'où Lewis et le fils Throgmorton ont pu aller. Je commence à craindre le pire. Qui est ce Kay dont vous parlez sans cesse? Un peu de respect, étranger. Kay est notre seigneur, notre lumière, notre amour. Excusez-moi, je ne savais pas. Savez-vous comment Paul est mort? Je sais pas. Quand j'ai repris mes esprits, il était déjà... parti. Que Kay bénisse son âme. Je dois vous laisser. Prenez soin de vous, Will. Je vous en prie, monsieur le détective. Dites-moi la vérité. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai tué Paul? Par Kay? J'ai fait ça? Je ne peux pas encore vous le dire, Will. La police arrête tous ceux qui veulent entrer et sortir d'ici. Je vous conseille de vous reposer. J'ai peur de ce que je pourrais rêver. Chou-chou. Chou-chou. Je connais à peine le visage du pauvre bougre. Le responsable s'est vraiment déchaîné. Une confrontation violente a eu lieu ici, mais quelqu'un a tenté de fuir. Que 5 cartes pour un full house. Marrant, je m'attendais à voir la photo d'un type collé sur la cible. Voilà donc à quoi ressemble ce d'Innsmouth. «
Voilà donc à quoi ressemble ce Dinsmus. On dirait que la prohibition n'a pas trop affecté Oakmont. Jamais vu un couteau comme ça. Un vrai chef-d'œuvre. Voilà. Prends ça, face de singe. M'arrive. Et ça, cours. Voyons voir ce qu'on a ici. Et ça, cours. Albert Throgmorton s'est réveillé, il n'était pas lui-même. Il s'en est pris aux pêcheurs et sa folie les a contaminés. Il s'est ensuite enfui quand ils l'ont blessé. Ma tête. J'entends encore les voix. Voyons un peu ce que l'étranger va trouver. Ce tapis pour chien a l'air plus confortable que le lit du maître. Le livre est humide et abîmé, mais on en prend clairement soin. Thank you.
Ma tête. Monsieur Throgmorton, j'ai trouvé ceci dans la chaloupe. Je crois que c'est le testament de votre fils. Donnez-moi ça. Immédiatement. Oh, mon pauvre garçon. Qu'as-tu donc fait? Si seulement je ne t'avais pas envoyé dans cette maudite expédition. Au revoir. Venez donc, étranger, honorez la mer avec nous.
Donc le pêcheur a pourchassé Albert. Il lui a même tiré dessus plusieurs fois. Albert, en dépit de ses blessures, est parvenu à grimper à cette hauteur. Robert n'exagérait pas quand il affirmait avoir élevé un homme fort. Il y a quelque chose dans la poche. Le sang est frais. Le blessé n'a pas pu aller bien loin. La porte refuse de bouger. Une balle en plein milieu du front. Ce n'était pas un accident, le tir était calculé. Ce n'était pas un accident, le tir était calculé.